Monsieur Karim Younes, bonjour. Bonjour Madame Souhaila Hachemi, bonjour aux amis auditeurs et auditrices de la chaîne 3. Alors, vous êtes sollicité pour faire partie des personnalités morales devant faire partie du panel pour une nouvelle initiative du dialogue lancée par la société civile. Vous avez répondu favorablement à cette initiative, à cet appel de la société civile. Pourquoi dans le contexte actuel, Monsieur Karim Younes? Oui, effectivement, la question est bien posée. Pourquoi dans le contexte actuel? Et vous savez bien qu'une médiation politique, dans le climat actuel, dans la situation actuelle, est hautement délicate. Je l'ai accepté parce que je me dis que le pays a besoin de tous ses enfants, le pays qui traverse des moments extrêmement difficiles, et nous ne pouvons rester les bras croisés, voir le train passer. Le train qui doit transporter les Algériens vers des bords, des rivages meilleurs. Vous considérez que la situation actuelle est délicate, elle est dangereuse pour l'avenir de l'Algérie? Oui, elle est dangereuse parce que d'un côté, il y a donc une volonté populaire qui s'est exprimée maintenant depuis 5 mois et elle se maintient avec le maximum d'intensité. Et de l'autre côté, je ne pense pas, je ne crois pas, je ne suis pas tout à fait persuadé que l'écoute est suffisante pour entendre et comprendre ces millions de poitrines qui revendiquent une situation meilleure du pays. Alors vous considérez que votre participation à ce panel de dialogue pour lancé par la société civile est comme une sorte d'appel, bien sûr, pour sauver l'Algérie. Vous dites, est-ce qu'on peut considérer que comme ne pas répondre à un devoir national, c'est un devoir national pour vous de faire en sorte, est-ce qu'on puisse sortir et trouver les mécanismes de sortie de crise impérativement? Je crois que ce n'est peut-être qu'un devoir national. Ma position personnelle et mon intérêt personnel commandent que je sois chez moi et continue à vivre ma retraite dans la paix, la sérénité et demeurer tout proche de mes lectures, de l'écriture que j'ai quand même abordée depuis maintenant une dizaine d'années puisque je suis à mon 10e ouvrage. Tout l'intérêt personnel était que je sois bien tranquille et chez moi au chaud. Mais je vois quand même de jour en jour la situation empirer. Comme je vous l'ai dit, il ne semble pas que les autorités officielles de notre pays aient suffisamment donné de l'importance à l'écoute, non seulement pour entendre les masses populaires, mais aussi pour les comprendre. Et puis aussi saisir que la génération d'aujourd'hui a une ambition tout à fait légitime. Celle d'une Algérie nouvelle, d'une Algérie meilleure. Et c'est une génération qui a enfanté des hommes et des femmes de qualité. On les a vus dans la rue, on les a vus sur les plateaux télé, de la radio, qui s'expriment, mon Dieu, très bien, et qui ont développé de nouvelles valeurs, de nouveaux repères qui ne collent pas toujours à celles qui furent les nôtres par le passé. Il faut aller vers une transition générationnelle. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. J'ai toujours dit que la génération d'aujourd'hui a ses hommes, ses femmes, ses exigences. Elle doit supplanter la nôtre, qui est maintenant dépassée, même s'il faut toujours montrer beaucoup de respect et de considération à nos aînés. Alors, Algérie nouvelle, Algérie démocratique, Algérie libre, vous avez dans votre déclaration de confirmation de votre participation à ce panel de la société civile, vous déclarez que j'ai pris la résolution de faire appel à mes contacts habituels pour parachever la réflexion et m'aider à suivre une démarche qui pourrait être bénéfique pour tous. Comment construire une nouvelle Algérie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a lieu de changer? Comment faire partir un système? C'est tout un programme. Je vous dis une chose. Je voulais que l'appellation a donné à ce panel, ce panel soit l'agora, une agora. C'est une agora. C'est quoi une agora? À l'époque lointaine, à l'époque grecque, chaque cité a sa république. Chaque cité a son lieu de débat, son lieu d'échange et son lieu de résolution aussi des problèmes posés à la cité. Cette agora a existé dans tout le bassin méditerranéen. Elle a existé également en Numidie, qui est notre espace géographique, culturel et historique, évident. À l'époque de la Numidie, l'agora, dans le,
dans le concept de langue de l'époque, c'était Agraou. Agraou qui est demeuré jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, on parle d'Agraou. Agraou, c'est la République. République au sens de cité, au sens de lieu de débat. Et le mot Agraou a existé dans l'histoire, dans toute la Numidie. Lorsque les Ottomans occupent l'Algérie, dans leur, quand même, ambitions d'arabiser un peu plus notre population, le mot Agraou disparaît au profit de Tajmaat. Jama'a. À ce jour encore, on parle de Tajmaat, c'est-à-dire un lieu de débat de la population et de résolution des problèmes. Nous, donc, on souhaite, en tant que médiateur, constituer cette Tajmaat, Tajmaat al-Khair. Nous voulons développer, vous l'avez bien dit tout à l'heure, des passerelles entre générations et pour essayer de trouver les solutions les plus idoines. Essayer de rapprocher les différentes dynamiques qui existent actuellement dans la société, une dynamique qui est développée par les partis politiques, mais aussi plusieurs dynamiques qui sont développées par le mouvement associatif. Ces dynamiques qui existent également dans la société, dans la rue, il faudrait faire en sorte de les rapprocher et d'en faire une synthèse. C'est cette synthèse-là qui sera ensuite présentée, je pense, à l'autorité officielle de notre pays pour donner suite. Mais est-ce qu'on peut considérer que pendant toutes ces dernières années, puisque vous avez occupé de hautes fonctions de l'État, vous avez été ministre de la formation professionnelle, vous avez été aussi président de l'Assemblée populaire nationale entre 2002 et 2004, vous avez démissionné en 2004, depuis vous êtes pratiquement en retraite, vous êtes auteur actuellement de pratiquement une dizaine de livres, dans pratiquement Aux portes de l'avenir, 20 siècles de résistance et autant des janissaires, la chute de Grenade et d'autres ouvrages. Est-ce qu'on peut considérer que pendant toute cette période, vous avez pris le temps nécessaire pour bien analyser la situation que connaît actuellement l'Algérie, pour pouvoir apporter votre contribution pour le changement du système? Je pense que oui. Durant tout ce temps, j'ai vu passer le temps. Pour écrire un livre, pour écrire un seul livre, il va falloir que vous lisiez une dizaine au moins pour appréhender toutes les problématiques qui se posent à la situation. Et bien entendu, ça, cela vous forme. Et quand vous passez à l'écriture, vous apprenez à relativiser et à avoir un autre regard sur votre entourage. Et forcément, à nourrir votre réflexion et avoir un regard critique sur le monde. Je crois être arrivé à un âge, et puis à un âge où je pense avoir eu suffisamment de maturité pour faire une observation des plus objectifs possibles de notre situation. J'ai démissionné, comme vous l'avez dit, en 2004, le 3 juin 2004, parce que déjà à l'époque, je sentais que le système qui était là à l'époque, bon, ne répondait pas vraiment à l'intérêt du pays. Nous avons essayé de faire notre mieux pour attirer l'attention et nous l'avons fait souvent bruyamment. Nous l'avons fait à travers nos déclarations, nous l'avons fait à travers les meetings que nous avons animés dans toutes les régions du pays. Nous l'avons fait, en réunion officielle avec l'ensemble des autorités de l'époque. Et comme nous avons vu que nous n'étions pas suffisamment écoutés, nous n'avons pas voulu suivre ce qui se faisait. Donc, décision a été prise pour que, personnellement, je me retire de l'Assemblée nationale et je me retire également de toutes les structures de l'État et du parti. Et depuis 16 ans, laissez-moi vous dire quand même que j'ai vécu en paria dans ce pays. Ma famille a vécu comme des pestiférés. Ma famille n'a pas une vie normale. Nos enfants n'ont pas pu avoir une petite espèce de boulot pour gagner leur croûte. Nous avons vécu donc difficilement durant ces années. Mais, en tout cas moi, je ne me suis pas plaint. J'ai fait face à tout ça. Puis-je vous faire une confidence? Oui? Allez-y, monsieur. Ça peut rester entre nous? Si vous le dites publiquement, je ne pense pas, monsieur Younes. D'accord. Bon, je suis comme resté 7 mois sans être payé à la suite de ma démission. Vous vous rendez compte que 7 mois? Moi, je n'ai pas d'autres ressources que celles que me donne l'État, que mon salaire. 7 mois. Et mes enfants ne sont pas au courant. J'ai pu m'organiser et passer le guet. Donc, on a souffert également du système. Et nous n'avons pas de leçons
à recevoir des personnes qui vous disent le système. Et toi aussi, tu étais dans le système. Mais moi, j'ai souffert dans le système. Bien que j'ai donné tout ce que je pouvais donner en étant jeune, en étant militant d'un parti politique, mais je crois que les choses maintenant s'éclaircissent. Mais justement, le système, est-ce qu'il fallait à cette époque-là déjà démissionner ou fallait-il se battre pour le changement du système de l'intérieur? Ou alors c'était trop difficile, monsieur Younes, passer bien sûr aux résolutions qu'on doit prendre aujourd'hui pour passer cette étape? Vous savez, à l'époque, tout a été fait pour essayer de changer de système. Tout a été fait. L'alerte a été donnée à l'époque. Franchement, dans les réunions les plus officielles. Seulement, à l'époque, il y avait une logique. Il y avait également de l'opportunisme. Il y avait également du bioïsme. Il y avait également, oui, monsieur le président. Et maintenant, on a vu le résultat. On a vu le résultat. Ceux qui y disaient oui, sont ceux-là même qui ont été les turiféraires du système. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de changer aujourd'hui de l'intérieur de ce maintenant, système? Qu'est-ce qu'il faudrait revoir impérativement pour aller vers la construction du nouvel Algérie? Vous savez, moi, je n'ai pas de recette à donner, mais j'ai l'écoute de la volonté populaire. Si vous entendez bien les gens s'exprimer, ils vous disent, nous, on veut tout changer. Quoi, tout changer? On dissout l'Assemblée nationale, on dissout le Sénat, on dissout la République, on dissout tout le monde. Ça, c'est les gens qui le disent. Il y en a qui vous disent, on refait toutes les lois du pays, on refait tout. C'est ça qu'ils vous disent. Moi, je dis tout simplement, tirons un bilan le plus objectif possible de ce que nous avons réalisé jusque-là, depuis le recouvrement de notre indépendance jusque-là. Lister nos réussites, parce qu'il y en avait, des réussites, et aussi nos échecs. Et sur cette base-là, et en fonction de ce qui se passe dans le monde, parce qu'il faut suivre également le cours du monde, il faut s'insinuer dans le cours de l'histoire du monde, à ce moment-là, trouver les solutions idoines. Mais est-ce qu'il faut impérativement actuellement, dans le contexte actuel, s'asseoir autour d'une table pour commencer à dialoguer, à discuter ensemble entre Algériens pour trouver des solutions? Dialoguer entre Algériens, je pense que c'est une nécessité. On ne peut pas se payer le luxe de se parler à soi-même, parler aux autres. Espérons seulement qu'en retour, il y ait une écoute de la partie qui détient en quelque sorte la réalité du pouvoir. Il faudrait qu'il y ait de l'écoute, comme je le dis, que les gens entendent ce que vous leur dites. Et on pourra trouver des solutions. Aujourd'hui, si vous permettez, j'ajoute pour dire qu'il n'est pas possible d'aborder un dialogue avec la situation politique actuelle, avec des jeunes détenus en prison pour avoir exprimé une idée, pour avoir, pavoisé avec des drapeaux qui sont des couleurs, de nos couleurs, des couleurs algériennes. Vous le mettez en prison? Non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas l'Algérie, c'est pas l'Algérien, je regrette. Moi, je dis une chose, que ceux qui sont derrière cette situation de bouillonnement et qu'ils ont, ravivé le feu, ce bouillonnement, sont des gens qui ont derrière la tête des objectifs qui ne sont pas sains. Parce qu'on n'a pas idée. Moi, j'ai vu une séquence dans une vidéo où un de nos enfants, qui était policier, le policier aussi, ce sont des enfants, mais j'ai donné un coup de ranger sur la figure d'un jeune. C'est de l'inadmissible. C'est un acte condamnable. Je ne condamne pas seulement la personne, le policier qui l'a fait. Je vous dis, c'est un de nos jeunes. Mais je condamne également le chef qui lui a donné l'ordre de le faire. Et les chefs qui l'ont couvert. Ça, ce sont des choses inimaginables dans un pays. Avec ça, nous ne pouvons pas dialoguer. Il faut d'abord qu'on fasse du ménage. Il faut d'abord qu'on s'explique. Le peuple doit être respecté. Sa volonté doit être respectée. Au peuple également de faire l'effort nécessaire. Et je crois qu'il le fait, puisque 5 mois après, ce sont des marches tout à fait pacifiques, de respecter la République. La République, c'est l'ordre. La République, c'est le respect des institutions. Mais il faudrait que le respect soit vraiment mutuel. Sans ça, vous ne pouvez pas aller loin. Toutes les meilleures volontés du monde ne peuvent pas assainir la situation s'il n'y a pas de part et d'autre des concessions qui soient tout à fait objectives.
Alors, Monsieur Kalimounos, moi, je voudrais revenir avec vous sur ce qu'on abordait dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous avez donné votre accord pour faire partie, bien sûr, du panel pour le dialogue et une sortie de crise avec la société civile. Vous déclarez aujourd'hui, est-ce qu'il est impératif d'assainir toute la situation de telle sorte à aller vers une élection présidentielle dans les plus brefs délais, bien sûr, en révisant certains textes législatifs aujourd'hui pour assurer une transparence totale de la présidence de la République, l'élection de la présidence, absolument, la présidentielle. Absolument. Il faudrait donc passer par une loi, par le renouvellement de la loi électorale, qui ne doit pas être, le fruit d'une réflexion du gouvernement, on peut ça comme ça, mais d'une conférence nationale des partis et de la société civile. La loi ne sera pas le produit de bureaux de fonctionnaires, mais ça le produit des contacts et des discussions entre les différentes dynamiques de la société politique et civile du pays, premièrement. Et on ne peut aboutir, comme je le dis, j'insiste, à l'examen de cette nouvelle loi, qui sera une loi faite par les concernés, que si on arrive à assainir la situation dans le pays. Il faudrait que le calme revienne dans le pays. Il faudrait également que les préalables fixés par les différentes personnalités politiques et civiles soient quand même satisfaites. Sans cela, on ne peut pas aller loin. Bien entendu, une fois que tout ça est réglé, à ce moment-là, le problème de l'élection présidentielle, si les garanties sont données et les garanties seront fixées par la conférence de dialogue, il n'y a pas de problème à y aller. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire si c'est dans 3 mois, dans 4 mois ou 5 mois, mais en tout cas, il faut bien qu'on y débouche un jour. On ne peut pas laisser le pays éternellement sans chef. Le pays, l'Algérie, a besoin d'un chef. Un chef qui tienne compte de la situation qui vient d'être assainie et qui s'engagera à poursuivre les réformes que cette conférence aura donc promulguées. Et les réformes continueront à être débattues avec le nouveau chef de l'État. Voilà à peu près comment je vois la chose. Fixer les délais, je ne peux pas vous le dire, c'est en fonction donc de l'évolution des débats entre les différentes dynamiques de la société. Alors, il faut impliquer toutes les parties concernées dans cette réflexion, dans la conférence nationale, pour arriver à un consensus, partis politiques, opposition, société civile, personnalités intellectuelles et également les représentants du mouvement populaire qui sont à l'origine aujourd'hui de ce changement qu'ils ont souhaité depuis qu'ils sont sortis dans la rue le 22 février dernier. Oui, absolument. Il faudrait associer l'ensemble des dynamiques, je disais, de la société. Elles sont nombreuses. Jusque-là, d'après ce que j'ai vu, ces dynamiques se rejoignent sur beaucoup de points et il n'est pas difficile, à mon sens, d'arriver à un consensus national sur ces questions-là. Tout dépend de la disponibilité des autorités officielles à aller dans le sens de la satisfaction de ces revendications. Comme je vous le dis, qui sont des revendications tout à fait légitimes de la volonté populaire. Mais comment aujourd'hui assurer une présidence de la République dans toute transparence? Quelles sont les garanties? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Les garanties, c'est que toutes les dynamiques qui vont se rejoindre dans une conférence nationale élaborent des lois contraignantes qui balisent tout processus d'organisation des élections. Ces élections, comme je vous le dis, ne seront pas organisées par un gouvernement. Elles seront organisées par l'autorité qui émergera de cette conférence, à partir de textes de loi qui seront élaborés par cette même conférence, conférence qui réunira l'ensemble des éléments de la société politique et civile. Revoir la loi électorale. Revoir la loi électorale, évidemment. Et comme je l'ai dit, je le répète, la loi électorale, le projet de loi électorale ne sera pas présenté par le gouvernement, mais le projet sera le produit de la réflexion et des décisions de la conférence nationale. Mais comment convaincre aujourd'hui sur la nécessité d'adhérer à ce processus? Convaincre qui? Tout le monde, la population algérienne, les personnalités, toutes les personnes concernées, le peuple algérien. D'abord, il faudrait que le peuple algérien sente que vous êtes sincère, que vous n'avez pas d'ambition propre. Vous n'en avez pas, monsieur Younes? Non, pas du tout. Ma seule ambition, c'est
de terminer ma vie en paix, dans la sérénité, dans la quiétude et dans le bonheur de voir mon peuple arriver à ses fins, celui de vivre aussi une Algérie en paix, une Algérie également en phase avec le monde actuel, en phase avec le troisième siècle. Et l'Algérie doit être en orbite de ce début de millénaire. C'est ça mon ambition. Ambition politique, je n'en ai pas. S'il faut que je vous signe une déclaration sur l'honneur, je le ferai. N'est-ce pas ? Je n'en ai pas. Et je crois également savoir, je ne connais pas tout le monde, mais que les personnalités qui sont pressenties par le forum de la société civile, également, ces personnalités que je connais, n'en ont pas non plus. Quand je prends par exemple une dame comme Madame Fatiha Benabou, des professeurs de droit constitutionnel, son ambition est de réussir dans son enseignement avec les élèves. Et, je ne sais pas, il y en a encore d'autres. Nasser Jamy, par exemple, n'a pas besoin d'avoir une ambition politique pour lui-même. Il y a tellement, il y a tellement d'hommes et de femmes. Il y a par exemple aussi, je ne sais pas si c'est fait ou pas, la dame de Insallah, je crois, qui milite dans le cadre de la lutte contre l'introduction du gaz de schiste, par exemple. Son ambition, c'est de réussir dans sa lutte contre le gaz de schiste qui pollue, qui ceci, cela. Voilà, donc il n'y a pas d'ambition politique. Ceux qui en ont, et c'est leur droit le plus absolu, il faut les respecter. Et aussi, il faudrait leur permettre aussi d'aboutir à leurs ambitions, si cette ambition est saine, et si également tout le monde s'entraide à donner à ce pays-là des lois qui garantissent l'équité entre tous. Alors, beaucoup aujourd'hui de personnalités morales ont appelé à la sagesse et au dialogue et font appel un peu à la raison. Vous en faites partie par rapport à votre dernier tweet où vous dites qu'il faut placer l'intérêt de l'Algérie au-dessus de toute considération, parce que si on n'arrive pas à discuter entre nous, d'autres le feront. C'est ce que vous craignez aujourd'hui, monsieur Karim Younes ? Je le crains. Oui, je le crains. Je ne vais pas dire que les bruits de bottes sont là. Non, je ne vais pas quand même dramatiser à ce point. Mais je dirais tout simplement que nous risquons nous aussi de finir comme on finit certains pays qui ne sont pas arrivés à s'entendre entre eux et qui ont fait appel à un arbitrage international. Et vous savez, si l'international met les pieds, ce n'est pas pour nous mettre d'accord entre nous, c'est pour attiser le feu de la discorde pour atteindre leurs objectifs égoïstes, celui d'approcher les richesses du sol et du sous-sol. Mais je ne vais pas dramatiser, je ne vais pas dire ça. Je dis qu'il faudrait que nous, Algériens, nous nous mettions autour de la table, discutions de nos problèmes et réglions la sagesse voulue. Les Algériens sont sages. Ben évidemment, il y a toujours des gens, des nihilistes, qui vous disent que toute approche est mauvaise. Que tout ce que vous pouvez faire est suspect. Il y en a aussi qui disent ça comme ça. Que voulez-vous leur dire ? Que ceux qui ont d'autres solutions, qu'ils les présentent. Et que s'ils les réussissent, alhamdoulilah, bah, on veut bien. Mais la rejeter tout ce qui est proposé, c'est aussi pas une solution. On va où comme ça ? On va où comme ça ? On risque d'aller droit sur le mur. Et si on va droit sur le mur, c'est d'abord la population d'aujourd'hui, c'est la génération d'aujourd'hui qui paiera, et celle de demain, qui paiera les pots cassés. Il faut donc essayer d'être sage. Et je vous dis, ce panel, cette agora, si vous voulez, cette sejma'at al-khair, souhaite atteindre réussir à faire des convergences entre différentes dynamiques, respecter le point de vue de chacun et essayer de trouver une solution qui soit commune, collective, à présenter à l'État. Alors aujourd'hui, ce qui est relevé, monsieur Karim Younes, vous avez pratiquement fait 10 ouvrages, écrit 10 ouvrages, vous avez deux qui sont en instance actuellement. Je reviens sur un de vos ouvrages que vous avez publié en 2013 et celui de pratiquement de 2015. Certains trouvent qu'il y a des liens entre les deux, c'est Aux portes de l'avenir, 20 siècles de résistance, donc vous avez fait tout le parcours de l'histoire de l'Algérie et la chute de Grenade. Vous dites que quelque part, la chute de Grenade a dessiné la nouvelle géographie du monde arabe. Comment cela ? Entre les deux, puisqu'il y a le lien. Premier, aux forces de l'avenir, 20 ans de résistance, parce que ça fait quand même 20 ans depuis que le peuple algérien, l'ancêtre du peuple algérien numide,
ont résisté. C'est un peuple de résistants. Un peuple de résistants. Les Algériens. Ils ne s'est jamais arc-boutés. D'ailleurs, il y a une expression célèbre qui date de l'époque et qui demeure à nos jours, c'est « un rasoul en ikhlo ». Un rasoul en ikhlo, ça veut dire qu'on peut, on peut plier, hein, mais on se met à genoux. On reste debout. Si aujourd'hui, Nif de l'Algérien, Nif, il vient de là. On reste debout, quelles que soient les conséquences. Il y a aussi la célèbre parole de Massinissa qui vous dit « l'Afrique aux Africains ». Il y a aussi de Jugurtha aussi, qui a quand même qui a lutté pendant 8 ans contre la célèbre, la puissante Rome. 8 ans avec quand même des volontaires, avec des paysans. Ils n'avaient pas d'armée comme Rome en avait. Mais le message de résistance de Massinissa, par exemple, a inspiré les acteurs de novembre 54. Les acteurs de novembre 54 ont tiré la légitimité révolutionnaire du message de Jugurtha qui disait qu'il fallait lutter, il fallait résister, il fallait aller de l'avant. Bon, sur la grenade... dans le même livre, je parlais donc de 20 ans de résistance, mais aussi de 50 ans d'indépendance. C'était en quelque sorte un bilan de 5 ans de réalisation d'indépendance, avec nos réussites, mais aussi avec nos échecs. Et j'ai essayé d'analyser un petit peu nos échecs. Il n'y a pas de honte à échouer. Il y a une honte à ne pas se relever de nos échecs. Le deuxième livre que vous avez évoqué, c'est La Chute de Grenade, les nouvelles frontières du monde. Et c'est pas, d'abord, il faudrait être, s'enorgueillir que Grenade a été... Grenade et la conquête de l'Espagne a été le fait des Africains du Nord, l'Algérien, les Marocains. Surtout, bien par la suite, que sont arrivés les contingents de Syrie, par exemple, du Moyen-Orient en général. Bon, donc c'est une fierté pour nous. Être resté 8 siècles en Espagne, il faut bien que pour toute action que vous menez, il y a toujours l'apogée et puis la décadence. Lorsque la décadence est intervenue avec la dernière chute de Grenade, les chrétiens donc se sont avancés, ils ont jeté à la mer les musulmans, qui se sont donc réfugiés pour certains, en Maroc et en Algérie, un peu en Tunisie, Tripoli. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les chrétiens ont avancé, ils ont dessiné une nouvelle frontière. C'était les puissants et les plus faibles. Cette frontière-là demeure à ce jour. Et cette frontière-là qui est toujours en ligne de mire, au Moyen-Orient par exemple, qui a fait que le Moyen-Orient, qui est musulman, a dégringolé. Et ça continue. Alors il faudrait regarder le passé pour pouvoir analyser la situation et ne plus faire les mêmes erreurs. J'ai des questions des auditeurs, monsieur Younes. Ils vous disent, aujourd'hui vous dites et vous parlez de la nécessité de changement de système parce que ce système a failli, mais vous êtes aussi un enfant du système, monsieur Calmier. Je suis un enfant de mon père et de ma mère. D'accord. Le système, il faudrait d'abord le définir. Est-ce qu'on parle du système qui a été mis en place à partir de 1958, semble-t-il, ou celui de 1960, lors du dernier CNRA, Conseil national de la résistance algérienne, qui a décidé que le socialisme serait le mode de développement économique et que l'unicité du parti serait donc l'architecture du pays. Est-ce qu'il s'agit de ce système-là? À ce moment-là, s'il s'agit de cela, il faut rappeler que ce n'est pas nous qui l'avons enfanté. C'était les héros de la libération. C'était les héros, c'était tout le monde. C'était Ben Khadda, c'était Aït Hamel, c'était... Enfin, tous les héros. Maintenant, s'il s'agit de ce qui était advenu après l'indépendance, ce n'est plus un système, ce sont des régimes qui se sont succédés. Et ces régimes-là, les Algériens, il y en a beaucoup qui se sont retrouvés et d'autres qui l'ont contesté. Mais, toujours est-il que jusqu'à présent, les systèmes ont perduré, parfois avec bonheur, et surtout au malheur de ce pays-là. Moi, j'arrive jeune, j'arrive, j'ouvre les yeux, je suis devant une situation. J'ai fait du volontariat, comme beaucoup les jeunes de mon âge, je me suis retrouvé dans une mouvance politique. Je n'ai même pas réfléchi où j'étais, mais j'ai travaillé avec sincérité.
je ne le lis pas. Quand j'arrive à un âge adulte, et quand j'ai accumulé assez d'expérience pour réfléchir pour moi-même, je me suis dit un jour que je ne soutiendrai pas ce système de gouvernance. Et c'est la raison pour laquelle je me suis opposé dès le premier mandat à la gouvernance de le système de gouvernance de l'ancien président, et j'ai même démissionné souverainement en présence de tout le gouvernement, de l'Assemblée nationale et devant la presse de ce poste-là de troisième homme de l'État à titre protocolaire. Ce n'était pas un poste exécutif, c'est un titre protocolaire. Mais j'ai démissionné à ce moment-là. Et je suis resté 16 ans durant, jusqu'à ce jour d'ailleurs, en retraite. Alors, très rapidement sur cette question, comment voyez-vous aujourd'hui l'avenir économique de l'Algérie, très proche, puisqu'on parle d'une crise prochaine? Monsieur Younes, rapidement, s'il vous plaît. Écoutez, je vais être très bref. Je ne suis pas économiste. Je ne pourrais pas donc trop parler de ça. Mais l'Algérie, quand même, compte une élite économique de grande valeur. Il faut leur donner la parole, il faut les écouter et il faudrait leur faire confiance. Alors, autre question de l'Algérie. Je peux juste vous dire que moi, j'opte pour une Algérie plus juste, plus équitable et plus équilibrée. Est-ce qu'on peut considérer que dans le contexte actuel, il faut d'abord commencer par régler la crise politique avant d'aborder les autres aspects, par exemple la crise économique? C'est la question de l'auditeur. Oui, l'économique tient d'abord du politique. Quand vous avez assaini le politique, l'économique arrive, l'économique vient. Mais sans assainir la question politique, vous ne pouvez rien faire en économie. Alors, M. Karim Younes, vous avez été approché par le passé, par bien sûr le pouvoir qui est en place actuellement, et vous avez refusé tout appel de réintégrer, bien sûr, le gouvernement ou le Serail. Mais aujourd'hui, vous acceptez l'invitation de la société civile. Pourquoi la société civile ? Parce que je considère que la société civile est l'émanation de la volonté populaire. Et la société civile qui s'est organisée dans notre pays, maintenant, commence à devenir vraiment agissante. Il faut l'écouter. Et quand la société civile, qui est composée de vous, de moi, de tout le monde, il vous dit, rejoignez-nous, apportez votre contribution avec d'autres personnalités du pays, je ne peux dire non. Alors, vous avez été à la tête de l'Assemblée populaire nationale, qui est quand même une institution très importante dans la promulgation des lois qui doivent régir aujourd'hui l'État algérien. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, l'Assemblée populaire nationale a failli dans sa mission pour prévenir contre la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui? Monsieur, ne comptez pas sur moi, s'il vous plaît, pour donner un commentaire sur la question de l'Assemblée nationale d'aujourd'hui ou d'hier ou d'avant-hier. Je dois du respect à tous les présidents qui se sont succédés, même si bon, j'ai ma propre opinion. Mais ce serait malvenu de ma part. Vous avez dû seulement remarquer que j'ai parlé du passé, j'ai parlé des systèmes, des régimes qui sont contestables, mais je n'ai pas parlé de personne. Même si ces personnes-là m'ont enfermé dans un carcan, j'allais dire l'expression de pestiféré. Mais je ne parle pas de personne. Je ne veux pas parler de personne. Même si j'en ai souffert, mais je ne parlais pas de personne. Donc l'Assemblée nationale appartient donc, s'il est de la responsabilité, des élus actuels, mais pas de la mienne. Je ne veux pas entrer dans ce débat. Est-ce qu'il faudrait revoir le système d'élection aujourd'hui au niveau de notre pays, à tous les niveaux, qui concerne la présidentielle, l'Assemblée populaire nationale ou au niveau local? Vous savez, quand la loi électorale est adoptée, il faut bien que cette loi électorale, quand même, réfléchissent sur le type d'organisation qui convient au pays, aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Vous dites qu'il faudrait qu'on nous écoute de l'autre côté. Vous parlez de qui de l'autre côté? De ceux qui nous gouvernent, qui détiennent le véritable pouvoir. C'est ce que vous avez déclaré, M. Karim Younes? Je ne disconviens pas. Oui, je l'ai déclaré. Je le confirme. Détenteur du véritable pouvoir, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est l'autorité officielle. C'est la présidence de l'État actuellement. Tout comme avant, c'était l'autorité républicaine. Maintenant, c'est l'autorité de l'État. C'est elle qui gouverne. Et elle gouverne au nom de l'État. Notre vis-à-vis aujourd'hui, c'est l'autorité présidentielle. Beaucoup disent qu'elle est illégitime, mais elle est là. Mais elle est là. On ne va pas remplacer l'illégitime par un autre illégitime. Elle est là. Vous allez discuter avec cette autorité-là. Faut-il lutter contre ce qui a fait mal ces dernières années à l'Algérie, comme la corruption, monsieur? Mais bien entendu. Mais bien entendu. Est-ce qu'on peut considérer que la corruption a gangréné? La corruption a gangréné tous les stades, tous les
échelons de la société. D'où vient la corruption? Elle vient du fait de l'impunité. J'ai eu plusieurs fois des gens qui me disent, quand on aura puni X, qui de la vie de tout le monde a vendu des tankers de pétrole en mer, quand on l'aura puni, venez me punir moi qui suis donc préposé à l'état civil, ou marchand de légumes ou autre. C'est l'impunité, l'encouragement à l'impunité qui a gangréné la société et qui fait de la corruption qu'elle s'est élargie à tous les niveaux. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est en train de déraciner le pouvoir en mettant bien sûr les personnes responsables de cette situation en prison, M. Karim Younes? Vous savez, il faudrait d'abord... Il y a quelques mois, on ne l'imaginait pas. Oui, quelques mois, on ne l'imaginait pas du tout. Pourquoi quelques mois, quelques jours avant quelques mois? Mais il faudrait également prendre son mal en patience, il faudrait laisser la justice faire son travail. Actuellement, il faudrait quand même respecter la présomption d'innocence, même si nous savons que dans certains cas, les gens ne sont pas si innocents que ça, mais il faut quand même attendre que la justice passe par là. Monsieur Karim Younes, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Bon week-end. Merci beaucoup à vous.